Salut à tous les amis, c'est Guitas Rocker et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, donc voilà sur Nintendo Switch. Donc sans plus tarder on va lancer le jeu direct, voilà. Hein. Donc évidemment c'est Nintendo et Ubisoft hein, qui ont fait le jeu, donc c'est plutôt cool ça, voilà, parce que ça mélange à la fois l'univers de Mario et des Lapins Crétins, voilà tout simplement. Et alors dans ce jeu, je sais pas si l'un d'entre vous, si... Là, en gros, si vous connaissez le jeu XCOM 2, donc qui est aussi sorti du coup sur Nintendo Switch, parce que oui, 2K nous ont sorti genre 3 gros jeux sur Switch, dont XCOM 2 ainsi que BioShock et Borderlands. Donc le premier, le 2 et le pré-sequel là de Borderlands, et ainsi que BioShock, y a eu BioShock 1 et BioShock 2, donc voilà, ça c'est cool. Et donc vous allez voir que, et du coup, ils nous ont sorti aussi XCOM 2, et vous allez voir que ce Mario Lapin Crétin Kingdom Battle. Et ça vous fera, je pense, penser un petit peu à XCOM, parce que c'est vrai que ça y ressemble un peu, mais sauf que là on est plus dans l'univers Mario et les Lapins Crétins quoi. Mode versus, mode histoire principal, contenu téléchargeable, langue. Mode versus, je sais pas. Ouais, non, on va faire un mode histoire, voilà. Hop. Donc, on va faire une nouvelle partie, parce que moi j'avais déjà un peu avancé dans le jeu, donc du coup voilà. Donc, du coup, c'est parti. Cinématique. All right, Beepo. That ought to fix the overheating problem. C'est facile avec son casque vert là. Can you believe it's been 3 months since Tech Magazine put me, okay, us on the cover? The Super Merge takes item A and item B and combines them to create item C. Oh, if only it were that easy. The article says nothing about dark matter, space-time manipulation, practical applications, nothing. I mean, the Super Merge could solve the energy crisis, Beepo. Watch. Beepo, c'est la petite machine, hein. Huh? Oh, not again. Oh, sorry, Beepo. Let's take a break and come back at this overheating thing fresh, okay? Ça ouais, la chambre c'est du 100% Nintendo quoi. Téléportation. Elle a pas crétin. Ils arrivent dans une machine dans une machine à remonter le temps on dirait. What? Ils font trop marrer la pas crétin quoi. What? Oh, tu te grattes le cul. What? Je vais beaucoup rigoler dans cette vidéo, je sens. Hein. Écoutez les rires aussi. Oh putain, ça me tue. What? Lui il devient complètement dingue. Oh putain. Et là on recule. On rembobine tout quoi. Allez c'est le chao. Les gens ils ont pensé, ils ont pris le poster avec. Allez hop là. Direct. Ouais putain. Ah. Du coup je crois qu'ils vont arriver dans le monde de Mario. Ouais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Attention il débarque. Comme par hasard c'est toujours l'objet qui a des problèmes hein. Jamais Mario quoi. Ah c'est ciao. Ok. Vous allez voir c'est comme un XCOM hein. Sauf que là on est dans l'univers Mario et la Lapin Crétin quoi. Ah
J'ai un problème des oreilles. Ah, j'espère qu'il est content. Même le casque s'est transformé, tu sais. Genre. Oui, c'est comme s'il faisait une avec des sortes de costumes. C'est assez bizarre. Non, je pense que ça va être bon. Ok. Donc du coup évidemment, on a des lapins crétins dans notre équipe, voilà. Du coup ils sont fait à leur équipe aussi. Avec des champignons. Des mushrooms. Donc du coup c'est comme ça que la première partie va débuter. Ziggy, les excités de l'espace. Genre. Les lapins crétins ont l'air de vouloir semer le chaos et la destruction, encore plus que d'habitude. Sans blague. A la différence de vos deux amis, ils semblent avoir été corrompus par le lapin crétin qui porte le casque de superfusion. Est-il possible que le casque de superfusion ait été corrompu en arrivant dans ce monde? Si c'est le cas, nous courons tous un terrible danger. Mais il faut absolument trouver le pauvre lapin crétin qui a fusionné avec le casque, c'est la clé. Si nous le sauvons, nous sauverons ce monde. Ok, première partie. Bon, au début on est normal quoi. Est-ce que c'est encore tien? Je viens d'entendre un message. Ok. Distribution des armes. Ah, on va peut-être faire des débiles. C'est tellement stylé, n'empêche. Voilà. Première partie qui débute. Après 10 minutes de cinématique. Les capteurs détectent deux ennemis sur le champ de bataille. L'un d'entre eux est partiellement abrité, vos chances de le toucher sont de 50%. Ok. L'autre est à découvert, ce qui donne 100% de chance de le toucher. Vous pouvez changer de cible avec le stick gauche, appuyez sur A pour tirer sur la cible sélectionnée. Ok. Donc du coup, ouais, effectivement, lui je peux le toucher. Du coup, hop. Boum. Donc là c'est le chao. Ah ok, c'est encore moi, ok. La boum. Bah du coup pareil, vu qu'il y a 50%, bah boum. Hein. Direct. Et au revoir. Ouais, c'est comme le principe de XCOM. Hein. C'est vraiment du stratégie au tour par tour. Hein. Donc du coup pareil, on avance. On n'oublie pas les pièces. Apprendre les bases. Ils sont complètement abrités, maintenant nous avons 0% de chance de les atteindre d'ici, seuls les abris seront touchés. Bah oui. Avant d'ouvrir la feuille, il vaut mieux les contourner. Bah oui, logique. Déplacez-vous pour trouver une position de tir offrant 100% de chance de toucher. Donc, alors,
Moi je pense plutôt ici. Après faut voir. Parce qu'après il y a genre ici. Non ici c'est pas possible. Ouais, après c'est trop loin. Faut vraiment rester dans la zone en fait quoi. Donc ouais je pense plus ici. On a toujours 0% là. Ah ouais c'est galère là. Bon bah... Voilà pour l'ennemi écoute hein. Ah putain. Bah oui je suis à découvert aussi, normal. Ah oui mais je suis à découvert aussi, comment veux-tu? Je peux pas changer? Déplacement, d'accord. Est-ce que je peux changer de personnage ou pas? Ah oui d'accord. Donc lui, on va mettre à la limite genre ici. Pas trop qu'on soit découvert. Voilà, et lui on va le mettre bah, genre derrière ici. Voilà ici. Voilà comme ça je suis pas trop à découvert. Donc du coup, ouais mais là je suis toujours je suis aucun des deux pour l'instant. Donc c'est toujours un peu galère en fait. Est-ce que je peux déplacer Mario ici du coup ou pas? Non. Ouais peut-être ici à la limite. Moi j'ai l'impression que tu peux toujours pas. Je pense qu'il faut carrément détruire leurs abris. Bah ça l'a pas touché. Mais forcément ça fait rien. Oh dur. C'est maintenant, ils sortent pas de leur cachette aussi. Alors moi tu vas retourner ici du coup. Tour de la nuit. Et il se cache toujours. Bah mais là c'est rien, je suis protégé mec. Ah pas mal. Ok. Je commence à comprendre. Alors Mario du coup ça c'est bien que Mario puisse se cacher avec l'autre. Oh, mais mauvaise idée en fait. Ouais faut que je mette ici genre. Non c'est mort, je peux pas le toucher. Bon, tour de l'ennemi. Vous voyez c'est le même principe qu'à XCOM hein, c'est pas si c'est pareil. Enfin c'est pas si on pareil quoi. Ah ouais chaud. D'accord. Il va venir ici. Sauf que là, bah. Ouais, c'est un peu chaud quoi. Lui va venir là. J'ai toujours aucune chance de le toucher. Donc voilà. Ouais. Oh dur. Bon bah c'est un peu la merde là. Donc Mario il va venir du coup ici. Et lui ben je sais pas hein. Bon on va le foutre là derrière. Et comme ça il se protège un petit peu, enfin moi j'espère. Ah si je peux me mettre devant ça serait pas mal. Et je peux toujours pas toucher. Oh ouais la galère. On va rien faire. Voilà faut que je le tire autour de l'ennemi là. Je peux en avoir au moins un des deux là. Genre si je me place là derrière. Mais je pense que je peux en avoir au moins un des deux. Voilà 100%. Quand même. Boum. Donc lui du coup lui on va le mettre ah merde je peux pas plus loin. Ok d'accord. Ouais bah du coup ici on va le mettre à couvert. Et là de toute façon je peux pas le toucher. Est-ce qu'avec moi je peux le toucher ou pas? Non ça aurait été pas mal. À la limite là. T'as ni l'un ni l'autre, je peux même pas la toucher quoi. Ah, c'est chaud quand même. Là je peux rien faire. Du coup toi l'ennemi. Wow. Ouais
Putain, je prends cher quoi. Ok, bah du coup, oula, c'est dangereux ce que je fais là. Toi, tu vas te mettre à couvert. Voilà. Voilà, 50%, ça paraît pas mal. Boum. Allez, c'est ciao. Voilà, ensuite. Lui, ça va être un peu plus compliqué par contre. Bon, lui, par contre, il va revenir genre là derrière, ici. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Comme ça, ça l'oblige un petit peu à avancer, je pense. Bah, il a aucune chance, mec. Alors, si je mets Mario ici, j'ai une chance ou pas? Toujours pas. Oh la galère. Bon, je pense que ça l'obligerait un peu à avancer. Hein. Peut-être pas en fait. Oh l'enfoiré quoi. Alors faut carrément que je me mette derrière quoi. Je sais pas. Bah oui, couillon. T'as aucune chance de me toucher. Là forcément je peux rien faire non plus. On est là lui. Tour de la mine du coup. Bon, c'est soit t'avances, soit tu te fais buter. Hein. Sale bâtard. Ouais. J'étais sûr qu'il allait faire un coup comme ça, c'était sûr. Sauf que si je me mets derrière toi, je te termine en fait. Alors si je me mets ici, là je peux terminer genre 100%, c'est sûr. Ok. Lui, on va le remettre ici. 100%, tu vois. Boum. Au revoir. Voilà. Bon, faut comprendre la logique en fait. Hein. Faut comprendre la logique. Hein. Voilà, comme ça on récupère un peu de santé, ça c'est cool. Voilà, comme ça on n'a perdu aucun équipage, donc c'est nickel. Bon, en tout cas nous on va se laisser là sur ce Mario Lapin Crétin, donc Kingdom Battle sur Nintendo Switch hein, évidemment. Donc j'espère que ce petit gameplay... Je voulais pas faire genre trop longtemps non plus, mais au moins entre 20 et 25 minutes grand maximum. Donc j'espère que ce gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner comme d'habitude aussi, voilà. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu, ce que vous avez pensé du gameplay en général aussi. Et puis bah voilà, dites-moi en gros qu'est-ce que vous avez pensé du jeu et du gameplay en général, là, voilà tout simplement. Et puis maintenant on se retrouve dans deux jours, donc cette vidéo sera postée, la vidéo sera postée mercredi. Et du coup, nous on se retrouve vendredi si je ne me trompe pas, voilà. Bref, allez, c'était le Guitar Trocker et ciao à la prochaine les gens.